Le roman Le Messie de Darfour est un roman qui parle des femmes en réalité, des femmes fortes, qui parle de la société du Darfour également, qui parle du conflit de la guerre au Darfour, qui parle de l'homme au Darfour et les répercussions de ce qui se passe au Darfour sur le monde entier. Et l'inverse également des répercussions de ce qui se passe au niveau international sur le Darfour. Et donc, ces liens très importants entre toutes les problématiques qu'on voit au niveau international. Le roman Le Messie de Darfour parle de cette tragédie que vit le Darfour. Mais malgré cette tragédie, malgré ces problèmes très compliqués, le roman montre comment les gens survivent, comment les gens vivent, continuent à être joyeux, font face. En fait, j'essaie de donner la parole à cette tragédie pour s'exprimer. Donc, pour résumer, c'est cela, le Messie de Darfour. Et j'ai aussi accordé une importance très grande à l'expression artistique dans ce roman. Le texte, c'est une histoire très forte, mais sans esthétisme, sans écriture artistique, le roman aurait été un échec. Le style d'écriture, l'écriture artistique, c'est ce qui porte cette tragédie et ce roman, le roman du Messie de Darfour. La littérature est l'enfant de l'imagination. Et sinon, ça aurait été un reporter journalistique. Et moi, je ne voulais pas faire un reporter journalistique. Je ne suis pas journaliste. Le roman change, évolue de manière très rapide. Et le roman, en réalité, c'est un art nouveau, non pas comme le théâtre ou comme la poésie, qui sont très anciennes. Pour moi, chaque romancier est un nouveau fondateur du roman. Et maintenant, moi, j'essaie de créer mon propre nouveau roman, style de roman. Et j'essaie d'explorer de nouvelles manières pour écrire des romans. J'essaie d'expérimenter comme le font les autres romanciers. Le roman est l'art d'écrire une histoire, ce n'est pas l'histoire ou une histoire. Une histoire racontée sans outils artistiques, stylistiques, ce n'est pas de la littérature.